Bonjour, alors pour la démonstration du dernier jeu Gavdeck qu'on a reçu, qui est le Gavdeck avec des taillots. Alors là, c'est pas un Gavdeck avec des cartes bien spécifiques, style des faces imprimées bizarrement ou des dos overlap ou des trucs comme ça. Ce Gavdeck, il est plus particulièrement utilisé pour faire des changements de couleur de cartes. Il faut savoir qu'un magicien, par exemple, quand vous faites des tours à un magicien, quand un bicycle bleu, on va dire, change en carte jaune, on sait que ça existe. Mais des taillots, souvent double face ou des trucs comme ça, on n'a pas beaucoup la connaissance de ça, on en voit très rarement. Bah Donc pour nous, un jeu taillot, c'est pas très voilà, un typique. jeu taillot, c'est vrai que voilà, quand on utilise un jeu taillot donc circle back ou un fan back, on sait pas qu'il y a des cartes truquées qui existent parce que ça d'ailleurs ça n'existe pas. Enfin, il y en a, mais très peu. Donc voilà, plus ou moins à quoi ça va servir ce jeu-là. C'est plus pour faire des changements de couleur ou des changements de jeu. Donc je vais pas. Enfin, si on peut toutes les montrer, mais ça va être dur de. Donc là, on a notamment un taillot comme ceci. Mets-le au milieu, comme ça je bouge pas Donc la ça c'est un tableau caméra. circle back, là c'est une double dos en fan back, une double dos en fan back, une double dos en circle, en fan Va back. doucement, va doucement. Bon là il n'y a rien de spécial, hein, c'est que des doubles dos. Donc il y en a plusieurs bien évidemment si vous voulez faire des tours avec des petits paquets. Là on a une fan back, circle back en rouge, on a la même chose, on a la même chose en bleu. Mais intéressant avoir un tableau circle back en bleu et un fan back en rouge. La même. À mon avis, à chaque fois, c'est livré deux par deux. L'inverse, donc. Le fan back en bleu, le taillot en circle. Hop, là, on a une carte qui est pareil, qui est originale aussi, pour faire un changement de couleur. Fan back, mais bleu et rouge d'un côté. La même chose. La même chose en taillot. Là, En circle. en circle. Là, une différente, mais sur la longueur de la carte, on va dire. Pareil en circle back. La même chose en fan back. La même chose en circle. On a maintenant une moitié comme ça. Ça dépend. Ça, si vous voulez faire plus des trucs quand vous éventaillez comme ça, ben, on peut avoir un change qui est différent. Pareil pour ici. Donc en fait, toutes les cartes sont plus ou moins constituées de la même façon, mais vous avez un coup un circle back, un coup un fan back, un coup en bleu, un coup en rouge. Là, vous avez des cartes blanches, bon ça c'est un petit peu plus connu, mais l'avantage dans un jeu comme ça, c'est que dans un jeu Talio, souvent il n'y en a qu'une, voire pas du tout, ben là vous en avez quand même plein, donc c'est vrai que ça permet de faire un petit tour de petits paquets en prenant ben, des cartes Talio, ça peut être sympa. Donc il y en a 3 en rouge, il y en a 3 donc en bleu, il doit y en avoir 3 en, ben ouais, 3 en circle, et pareil 3 en circle rouge, bleu. Là, on rentre dans du bicycle fan back, c'est intéressant aussi. Donc, bicycle taillot Circle. circle back, pareil en bleu. Hop. Voilà, rouge, rouge bleu. Le change est beaucoup plus intéressant. Taillot bicycle. Circle back bicycle, fan back bicycle, fan back bicycle, une bicycle Talio, bah après c'est les mêmes que les autres, sauf que c'est juste les couleurs qui changent. Donc voilà, donc c'est vraiment que un gav deck mais avec des dos différents, comme je le rappelle, qui permet de faire donc des changements de couleur de jeu. Donc le jeu est prévu pour ça. Donc voilà la démonstration du Talio Gav Card.